Nous allons enfin commencer cette session. Président, désolé. Huissier, pourquoi tu m'interromps comme ça? Désolé, président, ce n'est pas de mon gré, c'est juste la présence d'une autre autorité, madame la ministre, auprès des affaires parlementaires. Bonjour, madame la ministre, bienvenue, mais que nouveau cette visite impromptue? Alors, comme vous le savez, le 8 mars approche très vite. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Parlement a prévu pour célébrer cette fête dédiée à la femme. Rien n'a été prévu, madame la ministre. Rien? Faut pas dire ça. Non. Elle dit rien. Ça veut dire que rien n'a été laissé au hasard, madame la ministre. Tout est organisé, on voit tout organisé. Rien n'a été laissé au hasard. Oui, madame la ministre, nous là, on est organisé ici. Hein? Oui. Actuellement, là, tout est prêt. Oui. Tout est fin prêt. Mais. Oui, oui. Charlotte. Tu as un problème. Laisse parler, madame la ministre. Mais concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Bon, alors. Concrètement, il y a une grande fête pour célébrer la femme. Voilà. Il faut magnifier la femme dans toute sa splendeur. Oui. C'est ça. Oui. Et on a prévu un très, très, très long défilé que des femmes parlementaires. Oui, que des femmes. Et du jamais vu. Jamais. C'est-à-dire un grand banquet sur au moins un demi-kilomètre préparé par les femmes. Oui, oui. C'est très bien. Merci. Mais vous savez, présidente fondatrice souhaiterait qu'au-delà de l'aspect festif, un thème soit développé cette année, qui est la femme gondwanaise au poste de responsabilité pour un Gondwana plus fort. Excusez-moi, madame la ministre, c'est ça le thème? Tout à fait, oui. Madame la ministre, en tenant compte de cette thématique et en concertation avec mes collègues du bureau exécutif, il a été décidé... Oui, c'est vrai. Voilà. À l'unanimité, c'est même moi qui avais proposé ça. Oui. Il a été décidé que le 8 mars, il y aura une session parlementaire spéciale. Oui. On a dit ça. Une session, oui. Mais oui. À 1000% consacrée aux femmes, voilà, rien que les femmes. On va passer tout le temps à parler des femmes, que des femmes, et en bien on va parler de ça. Et surtout pour qu'elles aient plus de postes de responsabilité. Non, en fait, pour qu'elles deviennent responsables. Voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas très clair, ça. Mais madame, ça veut dire que cette session sera menée exclusivement par des femmes parlementaires. C'est ça. Rien que des femmes. Aucun homme dans la salle. C'est ça. Mais juste le 8 mars, hein, attention. Oui, parce qu'après le 9 mars, tout redevient normal. Ça dit, chacun reprend sa place. Voilà. Madame la ministre, cette session se déroulera sous ma direction, bien sûr, oui, avec 3 vice-présidentes qui seront séance tenante votée. Très intéressant. Très, très intéressant. Je pense aussi que nous pourrions voter des lois pour l'amélioration de la condition de la femme gondwanaise et son accès à plus de postes de responsabilité. Ça, c'est parfait. Parfait. Je serai moi-même présente ce jour-là et je ferai tout pour que Madame présidente fondatrice soit là, bien sûr. Madame, présidente fondatrice sera là. Exactement. Ici au Parlement. L'épouse de notre leader bien-aimé. Mais pourquoi ne serait-elle pas là, voyons, avec un événement aussi bien organisé? Madame la ministre, elle va être là pendant que moi, je ne serai pas là. Pourquoi? Vivement le 8 mars. Vivement bonne le session. 8 mars. Sur merci, ce, madame. Au revoir. Merci. Bon, au revoir, madame. Madame la ministre. Attends, Elio, tout ce que tu as dit là, c'est quitté où? Président, vivement le 8 mars. Yeah.